La métropole du Grand Paris est engagée depuis 2018 sur son pacte métropolitain pour la logistique. Et le fluvial fait partie des actions majeures. Et nous avons souhaité, à travers une manifestation, cette manifestation très particulière à Bonneuil-sur-Marne, de démontrer à plusieurs acteurs qu'ils peuvent utiliser avec grande efficacité le fluvial. La logistique fluviale, c'est une logistique qui peut faire un peu peur parce qu'on ne la connaît pas. Et donc, VNF intervient avec son expertise pour convaincre, pour aider, pour apporter de la méthode, pour proposer, par exemple, dans les marchés, des dispositions qui permettent de recourir au fluvial. Et puis, s'il le faut, nous finançons tout ou partie d'études, tout ou partie d'aménagement au travers de notre plan d'aide au report modal qui bénéficie du soutien de la région Île-de-France, qui permet d'accompagner les collectivités et les opérateurs économiques. La multimodalité, c'est-à-dire avoir des solutions différentes, quand on a besoin de transporter des marchandises, c'est un élément de compétitivité parce qu'on peut utiliser le meilleur moyen de transport pour son propre besoin. La multimodalité, c'est aussi pour une entreprise une capacité à améliorer sa RSE parce qu'une tonne transportée par la voie d'eau émet 60% de moins de CO2 qu'une tonne transportée par la route. Donc on voit que là, on a des solutions qui nous permettent de lutter contre le réchauffement climatique. Le port de Bonneuil, c'est une grande richesse pour notre ville. C'est le mariage quand même de beaucoup de familles, beaucoup d'habitants précarisés avec justement un milieu d'entreprise. Grâce à, aujourd'hui à la place stratégique du port de Bonneuil et avec la reconfiguration d'un repas aujourd'hui, on arrive à quelque chose de très très stratégique au niveau national, mais aussi au niveau européen, voire international. Donc protection de l'environnement, emploi, réindustrialisation de notre pays face aux grands défis qui nous attendent pour les années à venir. Alors, le projet du Grand Paris Express, c'est un projet de territoire qui passe entre autres par la question de l'évacuation de ces déblais pour économiser des camions sur les routes. Et la solution fluviale est apparue évidente en différents endroits, notamment ici à Bonneuil. La Société du Grand Paris a signé un partenariat, une convention avec les acteurs locaux pour permettre l'évacuation par voie fluviale de ces déblais. Aujourd'hui, les terres passent par la plateforme de Bonneuil pour être caractérisées, c'est-à-dire on va connaître leur composition chimique pour adapter l'exutoire, donc le site qui va finalement les recevoir. Donc aujourd'hui, on peut charger jusqu'à 2 barges qui font chacune 1000 mètres cubes de déblais. Donc c'est une centaine de camions chacune qui sont évités sur les routes. Dans le cadre d'une de nos grosses opérations sur la ville de Clichy-la-Garenne, notre problématique à nous était une très forte circulation automobile autour du quartier. Et on avait la chance d'avoir à grande proximité la Seine. On a ainsi économisé l'équivalent de 46 camions jour sur le quartier. Alors Weber est installé sur le site de Bonneuil depuis 50 ans. Alors nous encourageons le trafic fluvial pour principalement deux raisons. La première raison, c'est que c'est vraiment dans nos gènes, puisqu'on a à cœur d'être au plus proche des marchés. Puis la deuxième raison, c'est qu'on s'attache aussi à diminuer l'impact environnemental de nos productions. Aujourd'hui, on fait 40 caisses par jour en fluvial. C'est assez considérable, c'est à peu près un quart de nos volumes de sec. On est convaincu que le multimodal et le multi-énergie sont la solution aux problématiques économiques et aussi environnementales.